Mercredi 27 septembre 2017, bonsoir tout le monde qui branche Télévision nationale d'Haïti. Bienvenue dans la troisième sortie fenêtre culturelle pour ce maintenant. Nous sommes c'est Dorcas Simon, nous souhaitons nous passer un bon moment. À ce moment-là, en pile sujet, nous avons gagné dans la fenêtre culturelle et nous avons annoncé grand titre. Yon tourisme durable pour le développement, c'est sous thème ça, ministère tourisme avec industrie créative, célébré jeudi, mercredi 27 en septembre, journée mondiale tourisme, dans yon causerie, directeur général institution Andy Durosier, avec responsable fondat, Jean-Camille Busseret, a été animé. Ministre touriste la Colombe Emily Jessie Menos avec président commission touriste la chambre député Mikalen Pierre Toussaint a participé pour kounia dans un salon touriste avec voyage la France top Reza qui commençait hier mardi pour bout vendredi 29 septembre cap vini là. Fondation Saint-Louis Gonzague, promotion 1993, décidé créer un bourse études universitaire qui porte nom Michel Stéphane Bruno, un ancien en promotion. Quatre élèves finissant bénéficier laptop avec accès Internet. Il y a bien poursuivre cours dans l'école supérieure infotonique d'Haïti. Et puis Samuel Dameus, un jeune photographe haïtien, continuez vendre images en pays à l'étranger à partir Zevli. Dans le cadre d'un projet, il mettait sous pied qui relève Face of Haiti, Photo and Book with Us. C'est tout un sujet ça on a vu avec pilote pour développer pour assurer nos fenêtres culturelles. Mais juste avant, nous allons observer une pause et nous retourner. Bonsoir tout le monde, soit à peine branché ou branché télévision nationale et à suivre fenêtre culturelle. Je nous ai annoncé dans grand titre dans l'occasion journée mondiale touriste mercredi 27 septembre. Ministère touriste la Jessie Colombe Emily Menos a déclaré pour un touriste durable sans impliquer pour gagner un touriste responsable qui offre bénéfice pour moun ak la terre. Un touriste qui permet tout le monde voyager sans li pas sentir li coupable, sans li pas nuire environnement pendant la mettre accent sous humain. Ministre touriste la croit thème Organisation mondiale touriste OMT choisi en ça un touriste durable pour développement. C'est un touriste qui prend conscience en considération impact économique, social et environnement. Nan répondre à besoin visiteurs professionnels, environnement et communauté accueil. Ministre Menos a plaidé pour un touriste équitable qui prend dimension environnement, économique et social sous compte. Un touriste qui baille importance à préserver valeurs traditionnelles, communauté accueil, akiltio. Nan chita sous principe équité, jan yo ap respect nan environnement ap évolué. Yon touriste durable pour développement, c'est sous thème sa ministère touriste ak industrie créative célébré journée mondiale touriste jeudi mercredi 27 septembre nan local li nan ril légitime. C'était occasion pour directeur général institution Andy Durosier t'es animé yon causerie sous thème central journée hein. Côté li fait qu'on est concept touriste durable chitoa sous trois piliers social, environnemental et économique. DG touriste là fait qu'on est li important pour yo préserver ressources yo pour richesse yo partager de façon équitable ça cap créer entrepreneur dans communauté yo. En suivre. 7 septembre, c'est journée qui est consacrée pour célébrer journée pour célébrer le tourisme à travers le monde. Donc, c'est une journée que l'Organisation mondiale du tourisme était sous pied il y a tout à fait de presque 40 ans, côté que chaque année, il y a un thème justement
que l'Organisation mondiale l'a choisi pour capable attirer attention industrie touristique sur lui. Et année ça justement, c'est question thème tourisme durable qui vient et comme thème pour journée mondiale du tourisme. Alors tourisme durable c'est simple et tourisme durable il partir de concept développement durable qui voulait que nous faisons un développement qui est capable de profiter non seulement à la génération présente, mais surtout à préserver l'avenir, à préserver les ressources pour les générations du futur. Donc, là, on prend le concept de développement durable, on applique le tourisme. Donc, le tourisme durable, c'est un tourisme qui est supposé là pour permettre que préserver les ressources pour le futur, que la richesse soit partagée de manière équitable et que qui crée emploi décent qui crée entrepreneur dans la communauté. Donc, pour me dire beaucoup plus clair, le concept de tourisme durable est reposé sur trois grands piliers qui sont piliers social, environnemental et économique. Or, aujourd'hui, en destination de Haïti, nous n'avons pas planifier le développement touristique en Haïti sans ne pas tenir compte de l'aspect durabilité dans la question touristique. Et justement, cette durabilité, pas bien que secteur touristique est un secteur transversal, côté que l'on a développé tourisme dans le pays, ou bien tout l'autre secteur qui pourra développer en même temps. Et par exemple, je développe le tourisme, je suis obligé de gagner, manger pour ma tourisme, donc je développe l'agriculture, de favoriser tout le développement infrastructure, de favoriser tout que destination qui a un environnement qui est plus sain. Donc, je dis, les motifs de notre ministère de tourisme, pour nous développer le tourisme en Haïti, il faut que nous mettions sur le sceau du tourisme durable. Ça, c'est extrêmement fondamental pour nous, dans le ministère. Toujours sous même dossier tourisme, dans l'activité, plusieurs spécialistes te prend la parole, tant agronome Camille Buisserette, qui est promoteur tourisme durable, en même temps président Fondation pour tourisme alternatif en Haïti, FONDAF. Te parlé sous encadrement yodwe bay paysan yo pour yo pas disparaître. Responsable FONDAF plaide tout pour paysan vin entrepreneur, pour ka gen plus investissement qui fait dans le secteur agricole yo. Pour y avoir 40 arbres, entendez-le. Du que le travail que nous faisons, par exemple, résoudre le fermage touristique, ça ne va pas pour rien. Paysans disparaissent si nous ne sommes pas encadrés. Nous ne sommes pas mettre nos stades pour entrer dans nos sécurités. Il n'y a pas de choix, il est obligé d'aller, il est obligé de jeter parce que nous sommes une philosophie. Je ne vais pas prendre le point à vous pelper, quoi. Non, il faut mettre M. Nogoïsson sur le retour de la Calix, ça le café. Et pour M. Tourner, il faut M. entrer dans nos cadres de développement. Et ce travail, c'est ce qu'on a essayé de faire, connecter les gens au marché, créer les, encadrer les, pour devenir un entrepreneur, puis un producteur de mangue, un producteur maintenant d'avocat, un producteur maintenant. C'est-à-dire que les gens viennent comme métier, pas des fruiticulteurs jusqu'à présent en Haïti. Le travail que nous faisons, nous faisons travail agriculture, les gens produisent bio. Tout ça fait qu'en Haïti, actuellement, nous avons le choix pour nous faire les produits bio. Et les produits bio, c'est les 10 départements géographiques du pays. Tout côté de nos pays, on a produit bio pour tout le monde connaît exactement. Nous faisons choix nous-mêmes. Nous ne pouvons pas acheter un grain. Nous-mêmes, nous produit bio. Nous produit bio. Nous avons fait un petit café bio, un petit chocolat bio, un petit avocat bio, un petit produit bio. Donc, résoudre le fait de touristique d'Haïti, ce que j'appelle le retour. Pourquoi retour? Retour, c'est parce qu'il y a la diaspora. La diaspora maintenant veut retourner. Quel cadre vous allez créer? On va faire un tourisme en Élysée pour comme si il était là seulement depuis que la base des Acadiens et pas là quand il parle de côté. Non, la CAI est là pour un espace pour lui évoluer. La CAI est capable d'investir parce qu'il a bien investi la CAI pour le capable d'investir. La partie qui est dans la diaspora vient mettre un hôtel qui a valorisé la CAI. Même au retour que bien sur va être très bien comme si le retour c'est le réseau des femmes agro-touristiques qui pourrait permettre que nous sortions nos bons problèmes. Qui problème? Nos problèmes foncés n'est pas gagné papa. Moi, je fais expérience de travail avec un bon agriculteur, je sentais. Tout le monde a un peu de terre, puis il n'y a pas de terre dans le pays d'Haïti, il y a un jour. Donc, par contre, je me dis que j'ai une façon pour faire coopérative, faire un remboursement des terres, travailler avec le réseau de femmes, je commence à avoir un intérêt conjoint, je viens de faire payer 100 gouttes pour entrer, donc je vais consommer, j'ai des activités qui sont faites, j'ai des business qui viennent développer, je viens de mettre une autre forme d'économie dans le milieu rural. C'est de ça qu'il s'agit, et que le projet est prêt. Si vous-même vous bien placé en tant que nègre qui fait passer sur le marché, vous dites que le réseau de femmes agro-touristiques, ça m'intéresse parce que je dis, nous avons sorti de l'exclusion, nous allons entrer dans l'inclusion. Ministre Tourisme, Colombe Emily Jesse Menos, et président commission Tourisme, Chambre député, Mikalène Pierre Toussaint, accompagné quelques cadres dans le ministère, ont participé pour Kounia dans le salon
Et touristes, voyage la France, top que ça qui commençait mardi 26 septembre, Cap Bout, vendredi 29 septembre, Cap Vinila. Ministre touriste là avec membre délégation rente chita parler à quelques opérateurs touristiques dans objectif pour faire promotion touriste en Haïti. Jessie Colombe, Emily Menos, de profiter de passage li pour rencontrer avec responsable Air Caraïbes là, Nambi pour améliorer conditions voyage communauté haïtienne qui a fréquenté avion Sila. Ministre touriste là parler avec homologue li qui sorti dans pays Salvador avec République Dominicaine. Délégation haïtienne là t'est participé dans une soirée hommage pour marquer 20e anniversaire coopération Haïti avec organisation Walmi Bruxelles côté chanteuse Emily Michel t'est électrifié salle là avec musique li. Ancien premier dauphine Miss Univers là 2016 là Raquel Félicier t'es présent tout dans soirée ça. Nous font bon râler dans premier partie pour culturel la soya. Nous allons observer deuxième pause nous et après retourner. Cassandra, Julia, Jessica, c'est trois jeunes étudiants qui ont pile passion pour musique, surtout pour rap et compas. Trois jeunes mesdames Sayo ont habitude marcher dans la rue avec téléphone, castant oreilles, chat avec amis, sans pas avoir aucune attention avec monde qui dans environnement yo. Cassandra, Julia et Jessica, pas de jambes penser un jour à mal qui t'a arrivé dans la vie. Voilà. Est-ce que vous même tout pensez à conséquences ça qu'a gagné sur la vie ou l'on choisit utiliser téléphone n'importe qui façon pendant dans la rue? On suspend mauvaise habitude ça yo pendant à utiliser téléphone. C'est un message Radio Télévision Nationale d'Haïti à Zoom Entertainment. Pour toujours brancher Télévision Nationale d'Haïti ou à suivre fenêtre culturelle, Samuel Dameus, un jeune photographe haïtien, continue à projeter une autre image de pays à partir de Zevli. Dans le cadre de un projet qui lancé qui est le Face of Haiti Photo and Book Release, photographe là continue à exposer Zevli dans plusieurs pays. Dans le mois mars passé, sous initiative association PEP chinois pour amitié avec pays étrangers, Samuel a exposé Zevli dans le Palais la Paix, dans Bénin, pour te vendre dans beauté Haïti. Qui est-ce qui Samuel Dameus? Qui ça lui fait déjà comme travail? Qui pas coulé? Entendez. Capable de dire que c'est photographie, c'est un mélange. Bon, photographie sociale que je fais, qui est différent de fashion photographie, côté question mise en scène, on peut mettre au chita là, on fait une belle photo pour vous, parce qu'on a Photoshop, etc. Et puis, next thing you know, vous avez une image que vous ne reconnaissez pas. Mais photographie sociale, là, c'est un constat lié, un constat de réalité, de qui ça a payé. Parce que, en pile fois, nous avons gardé, mais nous pas ouais. Photographie sociale permet que nous voyons ça que nous avons, en pile fois, nous garder. Les figer le temps, les camper en réalité qu'en pile fois que nous qu'on néglige parce que nous voilà trop souvent nous habitués ensemble avec. Et expérience moi dans ministère touriste comme cadre dans ministère touriste, expérience moi comme consultant communication dans plusieurs entreprises permet moi que ouais que image branding Haïti c'est un travail que c'est nous-mêmes pour qui faire les parce que si que nous pas arriver dans stade côté que nous dit que définitivement yo pas connaît Haïti, yo connaît Haïti, le monde connaît Haïti, mais comment yo connaît Haïti connaît là et les différents de l'autre pays que peut-être pas jamais connaît parler de yo, mais Haïti yo parler de Haïti de 1904, il parler Haïti d'après 12 janvier, il parler d'Haïti pour cyclone Mathieu etc. Mais il parler Haïti mais en de mauvais termes. Là le travail c'est que si que travail incognito à nous pas obligé faire encore parce que yo gitan connaît nous pas incognito. Ça veut dire qu'on connaît nous. Il est vraiment très important pour nous faire un travail, pour nous vendre ça qui est réalité, nous vrai. Parce que mainstream media, on ne peut pas faire travail ça pour nous. C'est nous qui pouvons vendre les vraies images d'Haïti. Et ces mouvements, ça que nous avons créé, en commençant avec une exposition photo de vraies images d'Haïti, qui parlent des images qui transformées, mais des images qui réalité ou fait belle. Parce que c'est ça qui réalité, nous. C'est ça qui nous, c'est ça qui identité, nous.
Merci Cassandra Destiné et c'était tout ça nous te gagné à soya dans troisième sortie fenêtre culturelle. Merci à tout le monde qui te rend troisième sortie ça possible. Merci ou même qui te prend temps regarder. Nous souhaitons passer une bonne soirée sur télévision nationale d'Haïti. Bonsoir.